qui se sont fait baptiser ce matin, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, elle est là, je la vois. Viens, allez, viens, Jésus. Elle a pris la décision de donner sa vie à Jésus hier. On l'a baptisé ce matin aussi. Elle vient d'arriver. Alléluia! Gloire à Jésus! Est-ce que vous vous rappelez derrière? Elle a changé ou pas? Elle a changé comme ça. Tu as changé. Est-ce que tu as changé? Alléluia. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Ça dépend de toi. Tu veux nous dire quelque chose? Allez, vas-y. Alléluia. Je vous salue de Jésus. Je dis que je ne parlais pas à l'église. Je n'avais jamais été. Amen. Je vais être bref. Depuis l'âge de 4 ans, j'ai été initié par la sorcellerie à. C'est ma grande année de m'initier. Voilà. Ça fait maintenant 4 ans, non, 8, non, 22 ans que je pratiquais la société. Oui, que vraiment, tout ce à qui je m'arrachais, vraiment, je leur faisais mal. Je bloquais les choses. Ça fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Mes parents m'ont chassé de ma mère.
Si 3 jours, ça n'allait vraiment pas. J'avais même baissé les bras. Et c'est comme ça que je l'ai accueilli, je restais chez lui. Parce que soit je partais chez le jeune, que je connaissais à peine. Parce que même, on se faisait même pas encore une seule fois, on a dû changer de téléphone, puis je lui ai dit, ah, mais elle n'est pas levée. Si je partais chez le jeune, ou soit je partais chez le jeune, moi je m'attendais à lui ici. Parce que c'est la seule famille que je me fasse. Moi, mon papa, il travaille à l'armée, mais il dit, je ne peux pas me verger. Que si je veux partir, je ne peux pas me partir, je ne pas me. Il dit non, je ne pas ça encore. Parce que maintenant, 3 mois que la paix ici, que je viens là-bas, parce que dans mon rien, là, je suis pas très sensible. Oui, je suis la deuxième fille de mon maman. Maintenant, la paix, une seule fille, et c'est notre maman. Elle est de mon père. Donc, la femme est à 3 personnes. Vraiment, on dit que c'est moi qu'elle aime de tout son cœur. Donc, la femme insiste que je vienne à mon. Elle dit non, je ne peux pas s'en aller. Elle dit, vu que je viens de venir, je ne vais pas. Parce qu'elle est aussi encore spirituellement. Et physiquement, elle veut que je vienne là-bas vraiment. Je sais de quoi je parle. Je sais pourquoi je viens de venir. Moi, j'ai changé de vie. Je veux vraiment marcher avec Jésus. Amen. Et c'est comme ça. Je suis venue à la le vendredi. Je suis comme ça. Je me dis, attends. Je cherche une chaîne de prière. Et je pense que je suis appelé, je cherchais, je suis tombée comme ça. C'était clair en fait. La rue était propre, il y avait les c'est pas nous. Et donc je pense que c'est pour appeler parce qu'il y a peine d'arriver et de. Et quand le nom de Dieu parlait, il est rentré vraiment dans ma vie. Il a dit, je. Tous les jeunes de. Vraiment, bon, il a dit, il a dit, je. Si j'ai été initié par la grande maison, Et des frissons. Alors, il parle avec ce jeu, je n'en voulais pas être Dieu. Vraiment, viens, faut toucher quelqu'un vraiment qui va changer ma vie. Parce que je suis vraiment fatigué. La nuit, je ne dors pas. C'est vrai que je suis touché, mais je ne dors pas. Je prie. Et le Seigneur n'est plus personne à part toi. Plus personne, c'est rien à venir. Il demande plus de faire cette vie. Vous voyez que cette année, c'est plus tard. Comment c'est depuis 14 ans que j'ai touché la parole du Seigneur. C'est vraiment. C'est vraiment cette Dieu qui est venu à l'endroit où j'étais hier. Parce que, comme je disais, c'est comme vous disiez, il y a tellement de temps à vivre ce qu'on a dit là, comme aussi pour un mot. La parole dans un Seigneur, c'est quelque chose. C'était touché de moi-même. Je n'étais pas debout. Comment ça a couru, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de voiture. Marcher, vous voyez, moi je ne suis pas belle aujourd'hui. Je ne suis pas belle. Tout le monde est dans mon affaire. Mais aujourd'hui, par la situation, tout mon quartier, c'est ce que je fais. Donc, je n'ai plus d'amis. Je n'ai vraiment plus d'amis, plus d'amis. Je me suis accrochée à Dieu. Malgré que je priais, je ne voyais rien. Je ne voyais même pas de. Je ne sais pas comment dire. J'ai même pris le bureau, ça ne passait pas. Tout ça, il sait que c'est le diable. Ça ne passait pas. Et jusqu'à la fin de l'émission, le diable a regardé son bureau. Et c'est même mon ami en question qui a pris le bureau. Il dit, tiens, il faut partir. Donc, j'ai appelé le papier le bureau, ça ne passait pas. Maintenant, tu connais au moins le lieu. Or, quand la nuit, elle ne connaissait pas le lieu, la prière, le matin, c'est écrit, je m'en fais. Parce que je ne voyais pas d'abord. Je sens que je suis ok. Donc, hier, je suis venu. Il y a eu ma semaine à l'heure. Je sens que tu viens. Si c'est une fois, si ça va d'abord, il ne faut pas bouger. Il n'y a pas de souci à l'envers. Il n'y a pas de souci à l'envers. Je suis là. Hier, là, quand je suis là, tout ce que l'homme de Dieu disait, vraiment, je me sentais tellement concerné.
je ne faisais que pleurer. Et quand tu as parlé des mots, je suis venue une petite pleurer. Mais, il y avait. Bon, je me suis dit qu'il y avait encore une délivrance, mais il n'y avait pas une délivrance. Et là, si, il s'est dit, attends, et si je partais sur mon plan avant de Dieu? Parce que je suis arrivé dans une église de 400 000 personnes. Allez, dis-le, comment c'est ce que je fais? Pourquoi pas dans cette petite salle que lui m'a arrêté de dire ce que je fais aux yeux de tous? Quand je suis approché du nom de Dieu, on priait pour moi, et on lui même dans son cœur, il m'a baptisé. Donc, je suis arrivé et baptisé dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier pour elle au nom de Jésus? Seigneur, nous voulons te recommander la vie de notre sœur. Seigneur, que toi-même tu as attiré, que toi-même tu as touché. Seigneur, malgré ses difficultés, ses combats, elle a décidé d'abandonner la vie du monde, la vie du péché, la vie des ténèbres. Seigneur, d'abandonner la sorcellerie, tout ça, pour t'accepter. Seigneur, nous prions, Père, que ton amour, ta compassion soit pour elle. Que personne ne la condamne, que personne ne la juge. Seigneur, si toi tu ne l'as pas jugé, que personne ne la juge. Mais au contraire, Seigneur, des mains de compassion soient tendues vers elle pour l'aider, pour la soutenir, au nom de Jésus. Elle traverse des situations, des problèmes sociaux. Elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas où dormir. Seigneur mon Dieu, nous prions que toi-même tu touches le cœur de ton Église, que tu touches nos cœurs, afin que cette jeune femme qui est là, Seigneur, puisse te suivre, qu'elle puisse, Seigneur, être accueillie dans ta maison, au milieu de tes enfants. Seigneur mon Dieu, mon roi, béni sois-tu, Seigneur, pour sa vie. Que les œuvres du passé restent dans le passé, mais que sa vie nouvelle soit une vie de victoire, une vie de gloire, une vie de témoignage à Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de la bénir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ça va? Tu sais, Dieu t'aime. Et nous aussi, on t'aime. Tu es plus belle qu'avant. Ça va, oui. Et puis, Jésus, il donne des maris en Jésus, à des femmes en Jésus comme toi. Est-ce que c'est pas une femme en Jésus? Alléluia! Accroche-toi à Jésus, Dieu va ouvrir les portes pour toi. Mais les histoires des hommes, tout ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Comme tu sais, il faut mettre ça de côté. Alléluia! C'est un cas social aussi. Elle a été chassée, elle ne sait plus où aller. Donc on est là, peut-être qu'il y a des gens, on est ensemble ici. Il y a des gens à qui Dieu met à cœur des choses. Il y a des moments au milieu de nous. Il y a des personnes au milieu de nous. Elle a besoin de toi. Amen. Amen. On est l'église de Dieu. C'est par l'amour qu'on manifeste aussi dans des situations qu'on voit qu'on est en Christ. Donc, tu sais quoi? On parle comme ça. D'ici qu'on quitte ici, tu es en toi. Au nom de Jésus. Ouais, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus n'est pas puissant. Est-ce qu'il n'est pas glorieux? Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus. 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 Le roi des rois. Le tout puissant. Jésus.
Et je veux dire que notre soeur qui est là, on ne la juge pas. Amen. Il ne faut pas la voir comme quelqu'un de bizarre. Non. Nous sommes tous pareils parce que Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Mais le monde, là, hein, tout le monde est là. Les prisonniers, les bandits comme moi. Je vais encore donner mon témoignage. Les bandits, les rebelles, les voyous, les sorciers, tout le monde. Dieu nous aime. Quand tu acceptes Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Le passé, là. C'est fini. On t'aide à avancer. On ne va pas chercher dans ton passé. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Alléluia. Donc, notre soeur, elle est la bienvenue. Soyons vraiment accueillants, hospitaliers avec elle. Amen. Et si tu es dans cette salle, que tu pratiques la sorcellerie ou tu pratiques la magie, je veux te dire, Jésus est plus puissant que la magie. Jésus est plus puissant que la sorcellerie. Tu es là, tu es venu. Aujourd'hui, tu peux être déchargé de tout fardeau. Oui, tu peux être déchargé. Depuis que ce programme a commencé, on a eu plusieurs visites de gens qui sont dans la société. Il y a d'autres qui ont été touchés par Dieu pour venir chercher la délivrance, la restauration, comme notre sœur. Il y a d'autres qui sont venus pour nous attaquer. Pour ne pas que ce programme ait lieu. Parce que dans la sorcellerie, il y a le défi. Dès qu'on entend une puissance, on va aller vérifier ce qu'est puissance. Donc, il y en a qui sont venus hier, mais ils sont repartis. La seule place n'est pas ici. Alléluia. Si tu viens ici pour te convertir, tu peux rester ici. Si tu n'es pas venu te convertir, tu vas même partir. Il y en a qui sont venus faire des danses ici, eux seuls. Alléluia. Il y en a qui sont venus là, essayer de déployer quelque chose. Ça ne marche pas. Alléluia. Et Jésus est tout puissant. Que son nom soit béni.